Bon, si je m'intéressais un peu plus au scénario, j'aurais appris hein, que Fontaine c'est un contrebandier et que justement on est à sa recherche, ou en tout cas l'autre a peur qu'il soit toujours vivant. Et c'est justement un conflit entre, bah, voilà, là les caisses de contrebande on les trouve en permanence, un conflit entre Ryan et Fontaine, Fontaine apparemment étant mort et c'était des contrebandiers et du coup Ryan apparemment les a matés. Mais l'autre a peur qu'il soit toujours vivant. Et bonne nouvelle, c'est en revoyant la vidéo, j'ai appris que le fameux code que j'ai cherché dans l'épisode 6, puisque actuellement nous sommes dans l'épisode 8, bonjour à tous d'ailleurs, eh bien ce fameux code se situait dans la chambre numéro 7. Donc je vais tout de suite voir. Voilà, c'est dans cette salle. Et il y a un code. Voilà. Il y a un code. Voyons voir si on le pirate. Ouais. Mais je vais juste saisir le code, hein, comme ça sera moins chiant. Alors par contre, il faut que je retrouve ce que c'était. Enregistrement, donc ça c'est dans les trésors de Neptune. Et rapture change, blablabla, le paradis a des fuites, je rends mon insigne. Ils ont emmené Timmy. Ah non, c'est rentre à la maison. Voilà, 7533. La chambre numéro 7, c'est parti. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville? Je vois des fillettes sortir des aérations. Oh mon Dieu, ils ont pris la petite pour en faire une petite sœur, c'est affreux, tiens. Ce mot. Nous te cherchons, mais si tu trouves ce message, rejoins-nous au Fighting McDonagh, chambre 7. Le code de notre... Oui, vas-y, donne. Oui, j'avais oublié, merci. Et puis comme il y a les sous-titres qui bug. Voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Attention. Y a-t-il... Putain, j'entends un protecteur. Attendez, déjà, j'entends un protecteur, j'ai envie de me le faire. Parce que j'ai largement de quoi me faire un protecteur et ça serait la troisième petite sœur. Qu'est-ce que c'est lui? Qui? Progrès recherche, oui. Oh, maintenant 15% de chance pour que la grenade ennemie soit fausse. Ah, c'est cool ça. Cependant, c'est qui ce Gus? Bon, un petit headshot, ça te fera pas du mal. Enfin, quoique, je sais pas trop ce que ça a déclenché. Culé! Putain, là je suis en train d'user toutes mes munitions sur un truc de merde. Voilà. Aïe aïe aïe. Ouh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Tiens, reprends-toi ta grenade, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, sérieux? Mais il est où le protecteur? Attends, j'entends un protecteur. Ah, il est là! Oh merde, il a ramené la petite sœur? Ah non, il l'appelle. Il l'appelle. Ok. Il l'appelle. Donc, ce que je vais faire... Putain, j'ai que 4. Voilà, ici, je pense pas qu'il puisse me toucher. Là, il va l'appeler. Enfin, si, il va me toucher, mais... Ah non. Ah, il a appelé la petite sœur, mais elle a pas répondu à l'appel. D'accord. Donc, c'est peut-être parce que je l'ai sauvée. Et du coup, lui, il erre quelque part. Ah, ok, d'accord. Bon, par contre, il y avait des trucs sympas à récupérer, il me semble. Donc, lui, déjà, je l'avais fouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je l'avais pas fouillé. C'est celui que je viens d'exploser, justement, à l'instant. Toi, il n'y avait rien dedans. Je sais pas trop à quoi ça sert. Des chevrotines, j'en ai déjà. Bon, bah, c'est bon. On va pouvoir revisiter la salle numéro 7 parce que j'avais eu juste l'impression que c'était le protecteur avec une petite sœur, mais en fait, rien du tout. Ok, donc, non, ça c'est la 6, la 7, voilà. Bonsoir, je retourne visiter ça, donc qu'est-ce qu'il y avait? Notre Macha. Ah oui, ça c'est... Oh, mais ils sont plusieurs? Attends. Ben, il y a 4 jambes, donc ils sont plusieurs, mais où est la tête de l'autre? Ah, elle est là, oh, c'est un couple qui sont ensemble et ils sont morts ensemble. C'est mignon.
Je pique votre bouffe, hein? Y a pas de raison. Et si on prend des photos de cadavres, ça marche? Non, ça marche pas. Bon ben, on écoute ça, c'est triste. Nous avons vu Macha aujourd'hui. Nous l'avons à peine reconnue. Sam a dit que c'était elle. Je lui ai dit qu'il était fou. Cette créature, notre Macha. Mais il avait hélas raison. Elle aspirait le sang d'un cadavre près des pêcheries. Et elle est repartie main dans la main avec un de ses affreux golems. Macha. Sam l'a appelée. Mais je n'ai rien dit. Sam avait perdu la tête. Cette chose n'était pas notre Macha. Waouh! Effectivement, là, il transforme les. Ouais, il transforme les gosses en petites sœurs, c'est assez terrifiant. Oh, il y a un plasmide bonus! Oh, réducteur d'alarme! Oh, mais ça fait du bien d'être venu ici, bah, c'est cool! Le bruit des alarmes de sécurité vous stresse. Grâce au réducteur d'alarme, votre signature électromagnétique interagit avec les capteurs des alarmes, ce qui vous laisse plus de temps. À vous la liberté. Ouais, mais non. Enfin, je vais le stocker. Mais c'est cool que je l'ai quand même. Bon, eh bien, reposez en paix, voilà. Et toi, lâche ta femme. Parce que, bon. Puis elle est moche, donc. Bon, allez, allez, faites l'amour, allez, allez. Oh. Bon, allez. Je suis dégueulasse, mais bon, en même temps. Tout est dégueulasse dans ce jeu. Bon, bah, ça, j'avais pas besoin de le pirater. Ça, je t'ai fouillé, oui. Par contre, j'ai pas pris ton fusil avec tes chevrotines. Ça sert à rien parce que j'ai gaspillé mes trucs, mais c'est pas le souci. Hop. Donc. Il y avait une autre chambre. Oui, il y avait une autre chambre. On fait quoi? La 5 ou la 6? La 5, il y a une tache de sang, donc on va prendre la 6. Le chiffre du diable. C'est parti. J'entends des chromosomes. Bonjour! Aïe, 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 aïe. Tu veux prendre une photo, s'il te plaît? Prends une photo. Photo! Et hop, voyons voir. Progrès de la recherche. Ah, encore un peu et c'est bon. Merde! Quoi? Fortifiant de combat acquis? Votre bien bonne vieille décharge statique ne les ralentit plus de 1. La version 2. Oh, j'ai la nouvelle version. Oh, mais c'est stylé. Ah non, c'est la décharge statique. Ah non, c'est le truc qui me défend. Oh, mais non, mais. Bon, je le stocke, je sais pas comment je l'ai eu. Merde. Putain, j'ai du mal. Ah! Et j'ai l'impression que les chromosomes armés, si on les affronte au corps à corps, ils sont plus faibles. Ouais, c'est une impression. Comment si j'ai eu ce truc? Parce que j'ai pris deux photos. En fait, la photo, je me suis merdé comme d'habitude. Hein. C'est comme dans l'épisode précédent, j'ai encore du mal. Mais ça va peut-être un peu mieux. Hein. Ah, c'est l'arrestation de Fontaine? C'est Fontaine, ça? Fontaine! Je crois en Rapture, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours. Fontaine Futuristics est ce qui se passe de plus important à Rapture. Aussi, je vais être clair. Quand nous arrêterons cette ordure de Fontaine pour vol et contrebande, qu'il soit bien entendu que nous ne toucherons pas à ses affaires. Nous tenons les membres du Conseil parce que ces pauvres sots nous font confiance, pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Et putain! Donc, cheese. Chromosome armé et cheese. Merde, il y a l'autre qui se réveille. Allez hop, un petit coup de mitrailleuse. Voilà, il s'est fait écraser par la porte, ça t'apprendra. Ouais, mais le problème avec ce plasmide, c'est que ça fait péter les cadavres, donc c'est un peu relou. Et j'utilise des seringues pour rien, c'est la fête. Allez hop, on recharge. Pas bien grave, de toute façon, il y en a une qui est planquée là. Hop, et avec des pellicules. 4 pellicules, c'est plutôt pas mal. Cigarette fumée. Oh ouais, putain, il y a un truc qui me tombe sur la tête. Pistolet. Et rien d'autre. Donc c'est cool. Hop. Le Big Daddy toujours dans le coin. Donc ça c'était le truc bonus. Maintenant on va se diriger vers la chambre numéro. Ouf, le headshot. Oh, oh, comme il avait pas vu venir. Et numéro 7. 5. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Caméra. Truc étrange. Truc étrange. Il doit y avoir un truc étrange dans le coin. Mine de proximité. Putain, j'en ai trop.
C'est affreux quand tu vois qu'on a trop de munitions. Ouais, non, mais il faut que je les utilise là. Putain, quand je commence à voir que j'ai trop de munitions pour certains trucs, faut que je les utilise. Là, rien de ce côté, rien de ce côté. Là, c'est super beau. Oh mon dieu, c'est super beau. Et là, qu'est-ce que nous avons? Chevrotine ionique. Ça, c'est plutôt cool. Bon, rien dans les caisses de contrebandier. Par contre, le coffre, le coffre, le coffre. Waouh. C'est parti. Fuck! Je me suis fait niquer dès le début. Allez, va te chier. Va chier. Aïe! Fuck, putain, j'aurais dû sauvegarder. Fait chier. Allez, c'est parti. Donc. Non. Ah, putain! C'est juste maxi relou ce truc, hein. Dès que ça commence directement. Oui, je sais, je triche et je m'en fous. Hein, je vais pas m'amuser. Ah, putain! Bon, je m'en fous, je refais, hein. J'en ai rien à foutre, je suis en vidéo, je vous le rappelle. Là, je suis obligé de vous parler en même temps. Parce que ces phases sont super chiantes. Vite. Il n'y a pas ce que je veux! Là. 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 Faut l'amener où? Putain, faut l'amener là-bas, tu sais. Truc complètement craqué. Là, ça devrait être bon. Là et là. Non, il m'en manque un. Un tuyau ici, c'est bon. Voilà, et hop. J'ai perdu de la vie pour ce truc. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre? Oh putain, il y avait des trucs complètement abusés. Bon, ok. Hop. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Bon. Miscousi, c'est comme ça. Donc, progressons. Il y a toujours le. Ah! Toi! Je te veux en photo. Bonus. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ça devrait être bon. Organe de chromosome plafonnier? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez prendre des ennemis de photos morts. Ah, on peut quand même prendre les photos des ennemis morts. Voyons, toi. Pas de photo prise. Bon, d'accord, à part me faire gâcher des trucs, c'est pas le souci. Hop. Voilà. Donc, maintenant que j'ai pris la photo, il faut que je retourne. On va suivre la petite flèche et ça sera bon. Bon, le score insuffisant, ouais. Le truc, c'est qu'il faut prendre quand même des photos assez souvent. Mais là, comme j'ai pas beaucoup de santé, je vais pas me permettre de perdre encore plus de trucs. Bon, allez, c'est parti. Bonjour! Oh putain, il a fait une roulade! Mais putain! En fait, j'ai jamais visité ce coin-là, c'est pour ça. C'est quoi déjà ce plasmide? Ah oui. Oh putain, la poubelle, ça l'a tué! Truc de fou! Ah, mais la télékinésie, c'est peut-être plus cheaté que ce que je pensais. Oula! Ah non, ça va pas exploser, c'est bon. Ah, mais c'est abusé ça, c'est stylé. Par contre, je me souviens pas qu'il y avait une tourelle ici. J'étais passé là pourtant, ils en ont placé une entre-temps. Ah, c'est bizarre. C'est un vrai trésor. Ouais, c'est bon, je vais la sauver, hein. Patrick? C'est ton fils? Bonjour. Voyons voir votre photo. Rancé. Va te faire foutre. Hop. Putain, t'avais rien sur toi en plus, espèce d'enfoiré aussi.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour moi. À moi. Non, 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 ça c'était l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que ça là qui brille? Munition pour pistolet. Putain, mais là c'est bon, là je suis full de partout. Putain, une seringue dev ici aussi. Putain, mais j'ai pas vu tout ça. Alors. Ah oui, mais là j'étais venu. Oui, 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 je m'en souviens. Voilà. Maintenant je peux prendre une photo bien gentiment de toi. Hop. Oh là, ça va faire maxi point ça. Ah ok, d'accord. Maxi point de rien du tout. Voilà. Au moins t'as pas explosé, je peux récupérer tout ce que t'avais dedans. Ok, on y va. Bonjour, t'as perdu ta petite sœur? Bonjour. Il a perdu sa petite sœur, le pauvre. La pauvre, il a perdu la petite sœur. Bon, qu'est-ce que nous avons ici aussi? Allez, c'est parti, parce que là, j'ai plus que deux trucs de santé. Hop. Enfin, deux et demi, deux, maintenant. Disons trois. Et faut faire gaffe. Pourquoi j'ai... Attends, pourquoi il y a des plasmides qui apparaissent comme ça? Si vous affrontez des entités plus fortes ou plus rapides que vous, le frappeur sournois vous permet de profiter de la moindre occasion si, votre adversaire n'est pas sur ses gardes. Étouffe le bruit de vos pas et augmente les dégâts des attaques de mêlée sur des ennemis pris par surprise. Des ennemis de mêlée. Voyons. Alors, voyons voir. Petite photo déjà de la petite chrosome. Et là, les organes de chrosome plafonniers peuvent être utilisés comme trousse de soins. Oh, c'est stylé ça. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Mais putain, oh, oh. Je vais te prendre un coup. Ouh la vache, le chevrotine. Ouf. Vas-y, envoie-moi un truc. Ah putain. Oh putain de salope. Vas-y, vas-y, viens là. Ah là, on voit tes trucs, tes shurikens là. Non, tu veux pas descendre? Je vais te forcer à descendre moi. Putain, mais elle est forte elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moche. Elle est où? Ouais, au plafond tu vas me dire, mais... où exactement? Putain d'enflure. Non. Ah voilà. Là ça fait du... Là ça fait plaisir. Ah ça souffre hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Pulvérisé. Et en plus je peux la fouiller et j'ai des organes. Ouh. Ah, les photos, je sens que c'est très important si on veut pas trop galérer dans le jeu. Ah, c'est cool, en plus j'ai des... Oh, j'ai des trousses de soins et tout, c'est merveilleux. C'est merveilleux, en plus je suis 9, à 9 en Eve, c'est génial. Prendre les chevrotines, c'est pas mal. C'était où déjà? Ah oui, c'était là-bas. On progresse, hein. Toupidoupidoupidou, toupidoupidou. Bonjour. Bon, il n'y a plus personne, hein. Tu dis bonjour. Ouais, ça ira. De toute façon, le truc pour les machines, ça allait. C'est parce que je bloquais à un moment, maintenant je bloque plus. Et parti. Et bibiche, ouvre-moi. J'ai ton appareil photo. Le truc avec la clé anglaise, j'adore ça. Bonjour. Ah, un équipage carrément. Je peux te prendre en photo, non? Je vais faire du café, sortir les couverts en argent et tout ça. Ouais, sauf que je sens que c'est un piège, donc bon. Ouais, vas-y, je suis armé, moi, fais gaffe. Fais gaffe ou je te dégomme. J'ai un fusil à pompe, fais gaffe. Le vieux pitch. Ouais, ouais, la main droite, carrément. Non, j'ai rien... Je pensais à rien de spécial. Ah, d'accord, carrément... Laissez vos armes. F
Effectivement, il peut pas prendre mes plasmides. Carrément, c'est le prix à payer. Pirate concentré. Mais qu'est-ce que c'est? Modifie vos gènes. Je veux bien, mais pourquoi je peux pas le prendre? Ah putain, il est dans la glace. Ah voilà, génothèque. Ah mais c'est merveilleux parce qu'on va se battre uniquement avec les génothèques. Ok. Donc là du coup, vu que je vais me faire une petite piqûre, hop, parce que je suis full. Donc je pouvais pas la prendre cette seringue. Donc là je suis full. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dépôt de... Ok. Il va me piéger, hein, mais je vais devoir me battre qu'avec ça. Toi t'as rien de spécial. Ok, alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah putain, avant d'user, j'aurais dû faire un petit coup de plasmide de feu. Bon, c'est pas très grave. Alors on va prendre juste incinération, le temps de dégeler tout ça. Hop. Je récupère ce pirate concentré. Les plus populaires, voilà. Désamorce les circuits de surcharge. Deux plaques de surcharge en moins lors des piratages. Non, je le stocke en attendant. Et une autre seringue dev, ça c'est cool. C'est cool, même si j'en ai pas l'utilité, mais peut-être en ressortant. Alors, qu'est-ce que je peux bien prendre comme truc d'attaque? Oh, tous ces fortifiants, ça a l'air de convenir, quoique. Pour les fortifiants de combat, peut-être la décharge statique. Ouais, je vais reprendre la décharge statique. Ou alors celle de niveau 2. Ouais. Ouais, le niveau 2, ça a l'air pas mal. Surtout que je pense pas, vu qu'on sera confronté directement à quelqu'un, je pense pas que ça soit d'une utilité folle d'essayer de jouer la discrétion. Et donc pour ça, je vais mettre... balise de sécurité, c'est de la merde. Gardien, non. Alors, on va prendre. Repousse ces créatures et les objets au loin avec une explosion de force. Alors, on va prendre ça. Et on va prendre... bah c'est bon, on va prendre incinération, éclat cryogénique, télékinésie au cas où, et ça. Ça me va très bien. Ça me va très bien, on va juste sauvegarder au cas où, parce que la combinaison, je pense pas la connaître. Bon, bah c'est parti. Tube pneumatique. Envoyez les armes. Oh, il y a la clé anglaise. Merde, le truc de mêlée, j'aurais peut-être dû prendre. Je vais prendre le truc de mêlée. Parce que c'est super cool. Maître de mêlée et... Voilà, peut-être moins de défense. Mais s'il me touche, de toute façon... Ouais, allez. De toute façon, ça augmente quoi? Ça augmente la défense? Ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Si c'est de mêlée, j'ai pas besoin de prendre de la télékinésie. Ouais, non, mais merde, c'est pas grave. L'incinération, ça ira très très bien. Il va m'attendre, je suppose. Il voudra me buter. Voilà, je suis pris au piège, vous le savez. Du feu. Oh putain, il fait froid. Je vois plus rien. Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu: bien sûr, monsieur Fontaine, je vous garde une place. Oula, attendez, je vois rien là. En train de faire son sale boulot, ce qui fait de Ryan un minable et de vous un... De vous un... Hein, un quoi? T'as pas fini ta phrase, putain, on n'y voit rien. Oh, merde. Atlas, il était à nous! À nous! Oh la vache! Putain, mais j'ai pris son masque, je m'en fous de ça. Voilà, petit cocktail Molotov. Mais non, j'ai pas envie de désactiver le truc de sécurité. J'ai pas voulu le prendre en même temps. Oh la vache! Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que... Putain, mais qu'est-ce que c'est tout... Putain! Bah, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, sérieux? Ouais, mais attends, mais non. Attends. Je le refais. Sauf que cette fois-ci, je vais le faire différemment. Hop.
Maître de mêlée, putain, mais là, ça sert à rien la clé anglaise. Bon, on continue. Hop, midi kit. Sauf que, à la différence, je vais. Hop, pirater le truc. Voilà. Comme ça, déjà, personne ne me repère. Hein, parce que c'est maxi relou, ça. Hop, là j'ai le temps de réfléchir, on va passer par ici. Je pense pas que c'était le chemin le plus court, mais c'est pas bien grave non plus. Comme ça, oh la vache, j'ai failli me faire avoir. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, il me manque juste celui qui va sur la droite. Exactement celui-là qu'il me fallait, et puis c'est bon, c'est réglé. Donc ça, la caméra, c'est fait. Par contre, les chrosomes, ils me saoulent un peu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est bon. Il devrait y avoir personne qui devrait me faire chier autant que ça. Seul problème, c'est que je vois rien du tout. Putain! De vous, hein, quoi? Putain, mais finis tes phrases, mec. Je vais me mettre là, comme ça, ça va envoyer une tourelle. Allez-y, les mecs, je vous attends. Hop! Oh la vache! Mais quel ennemi repéré? Qui? Ah non, l'ennemi! Oh putain, la vache! Attendez, attendez, attendez. Là, ils vont se soigner. Je le sens bien. Les mecs qui vont se soigner, ça va être maxi relou. Donc. Comme ceci. Là. Putain, la musique, elle est stressante. Hein. Écoutez un peu. Enfin bon, elle s'arrête, donc non, vous ne l'aurez pas entendu, mais c'est pas très grave. Passons. Hop, ça et ça, c'est réglé. Comme ça, moi aussi, je pourrais me soigner. Mais qui me tire sérieux? Putain. Attendez, on me tire dessus là. Qui me tire? Mais. Putain, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui me tire dessus? Ouais, je veux bien que tu me défendes, mais t'es en train de m'enculer sévère là. Ouh la vache, qu'est-ce que. Attendez, attendez, je ne sais pas ce que c'est tout ça. Putain, mais il y en a deux ou pas? J'arrive pas à voir. Est-ce qu'il y en a deux? Ah ouais, il y en a deux en fait. Voilà. Cependant, j'ai rien pour l'attaquer à distance, moi. Oh putain, je l'ai pas eu. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, sérieux? Donc ne pas aller par ici, putain. Oh la vache, mais c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh putain, mais. Eh mais sérieux, ils abusent là, j'utilise tout là. Allez, dégage. Allez, dégage. Vas-y. Putain. Mais. Putain! Faut que j'aille me soigner. Vite. Vite. Là encore. Il y en a encore, je ne sais pas. Je crois plus, je crois pas. Je suis pas sûr. Par contre, l'autre qui est en face, il me fait un peu chier, là, celui-là. Ok, ça c'est bon, il n'y a rien de ce côté-là. Putain, mais attendez, attendez. Oh! Putain, est-ce que je peux le buter? Attendez, je vais voir, hein. J'ai usé toutes mes trousses de secours, c'est bien.
Hein, tous les medikits. Mais est-ce que je peux buter cette espèce de saleté de sous-merde? Dégage. Non. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh la vache! J'ai tout récupéré. Donc là, je suis refait. J'aimerais juste fouiller un peu la zone. Ah putain, attendez, 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 attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Là, il y a un truc de médic. Donc on y va. Voilà, je me suis soigné, c'est cool. Tu me tires dessus, saleté d'enfure de merde. Voilà, tu m'as bien loupé, c'est cool. Maintenant, je vais tout récupérer et je vais te faire ta fête. Allez. Allez, voilà. Ça t'apprendra, saloperie. Et je peux récupérer un truc intéressant, une trousse de soins. Cool. Putain, il y en a encore. Il y en a encore. C'est clair qu'avec les plasmides, j'ai peut-être pas pris les meilleurs. Par contre, là, il y a beaucoup de trucs à récupérer. Je me demande combien ils étaient. Bon, on va tout récupérer. On fera le tri plus tard. Surtout, bien tout fouiller. On va aussi se rééquiper la génothèque. Au cas où... putain, il y avait des bidons explosifs. J'aurais pu m'en servir. Là, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Là, rien. Toi, je t'avais fouillé. Il y avait une petite porte. Je sais pas trop à quoi elle servait. Là. Du poisson. Rien du tout. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, Ryan. Ah ouais, mais ça, c'est un truc à coup sûr. Faut le faire fondre. Non. Si. Si, si. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ah. Tiens, prends ça. Petite photo. Photo, j'ai dit. Cheese. J'espère que j'aurai une bonne note. Ah ouais, quand même. Comment est-ce que je vais te descendre? Moi, bon, je vais attendre que tu te dégèles. Freeze, t'es givré! Et voilà. C'était juste histoire de récupérer 2-3 trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Qu'est-ce qui a explosé? Ah, c'est peut-être sa munition, sa bombe. Ouh, le poisson, il prend feu, mais c'est énorme. Mais il n'y avait rien d'intéressant à part un chrosome? Ah, intéressant. Ça, c'est good. Ouais, on va aller voir ce qu'il y a dedans. C'est de l'autre côté, en fait, de la porte. Et nous avions à l'intérieur des dollars. Ça, je soupçonne qu'il faut le faire fondre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh putain, il y a plein de monnaie. Oh putain, il y a de la thune de partout, là. Ça fait plaisir. Et un cadavre pendu. Ouh, c'est accueillant. Oh, ça me fait bien plaisir, un cadavre pendu. Et là, c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce, à part peut-être... Qu'est-ce que c'est que ce truc qui brille, là? Outil de piratage automatique. Je peux pas le prendre, mais il faut le faire fondre. Donc, on va garder ça, de toute façon, dans un environnement enneigé. Enfin, gelé, il faut garder toujours du feu à proximité. Donc, le truc de piratage automatique, c'est good. Les munitions pour pistolet, c'est bien. Ok. Donc là, je pense que pour le pistolet, j'ai plus de munitions, je vais le garder. La... Attends juste, je rêve ou... Attends. Attends, tu vas me dire que je me suis fait chier depuis le début à collecter des munitions et que j'ai plus rien? On m'a enlevé mes munitions? Je me fais chier à collecter des munitions depuis le début du jeu, à les conserver. Et j'ai plus rien et je me retrouve avec 2 medikits alors que j'aurais pu bourriner comme un fou. Bien ça, bien, ça me fait très plaisir, très plaisir. Non, en fait, j'ai la haine. J'ai la rage. Et je vais juste essayer de me contenir du mieux que possible pour éviter de crier un bon coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc il y en a un peu partout de tout ce merdier. On va faire fondre ceci. Et ceci. Donc là, direct, une seringue dev. Même si je peux rien faire avec. Cadavre fouillé. 2 seringues d'Eve. Putain, je peux plus transporter d'Eve, tu te rends compte? Je suis full Eve. Bon, bah, on va le laisser ici au cas où. Et là, il n'y avait strictement rien. Bon. Ah, tiens, si. Vu que l'Eve, je peux. Je vais tester. Qu'est-ce que c'est que ça?
ça apparemment ça. Ouais, ok, ça éjecte. Ça éjecte les ennemis. Bon, c'est pas très cool, mais c'est pas grave. Putain, j'ai perdu toutes mes munitions, quoi. Bande d'enfoirés. Ok, j'entends un chrosome en plus, c'est génial. Où est-il? Ah, c'est cool ça, comme cachette, on peut se planquer sous les escaliers. Hop. Donc qu'est-ce qu'il y a en dessous? Forcément des secrets. Mitrailleuse, munitions pour le pistolet. Ok, c'est cool. Merde. Quelqu'un? Personne encore? Là. Barre énergétique, je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. On va aller les accueillir, tiens. Coucou, j'entre par la grande porte. Voilà, tu dégages, toi. Ouh la vache. Ouh la vache. J'ai envie de prendre une photo en pleine action. On va le faire, tiens. Boum! Voilà. Petit coup par surprise. Oh putain, en plus ça fait bien progresser la recherche. Hop, un petit coup de plasmide télékinésie pour lui renvoyer sa merde là. Merde, putain, mais ça c'est con de choper le chapeau au lieu de la. De la grenade. Voilà. Oh putain. Ça explose deux fois, d'accord. Il faudra que j'apprenne ça. Pour éviter de me faire avoir à tous les coups. Bizarrement, on dit que le jeu est facile parce qu'il y a les vitachambres, mais moi les vitachambres ça me fait peur, j'ai pas envie de les utiliser. Moi je considère qu'il n'y en a pas et c'est bien mieux. Enfin, j'aime bien ce petit côté gestion, quoi, voilà. Fontaine nous met la pression, et pas qu'un peu même. Il nous extorque 80% de notre part, et il menace de nous dénoncer à Ryan si on ne joue pas le jeu, espèce d'enfoiré. Ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré. Non, pardon. Ici, on n'a pas le choix. Si on reste dans l'équipe de Fontaine, on finira sur la potence. Si on fout le camp, on connaîtra le même sort que Saniché. Doit bien y avoir un autre moyen. Oh putain, encore un fantôme. Fontaine vous trouvera. Hé, j'emmerde Fontaine. Vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. La Fontaine l'emmerde, d'accord. Waouh. Il doit y avoir des cadavres dans le coin dans ce cas-là. Oh, la suite du niveau. Merveilleux. Bon, bah dans ce cas-là, je vais d'abord aller pirater Bidule. Le coffre pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Et poste d'amélioration des armes. Ah, c'est stylé ça. Attendez. Mais ça coûte combien? Cette machine se désactivera. Ah non, d'accord, je peux choisir une amélioration et la machine se dé... Ah, mais c'est cool ça. Oh putain, alors attendez, on va lire. Automatique, quadruple la taille du chargeur pour pistolet. D'accord. Un accélérateur de munitions augmente les dégâts causés par le pistolet. Une structure d'accélération augmente les dégâts de la mitrailleuse. Réduit le retour de force de la mitraillette. Oui, mitraillette, pas mitrailleuse. Un engrenage en acier augmente la cadence de tir du fusil. Un mécanisme de tir à gaz comprimé augmente les dégâts du fusil. Oh, cool. Augmente les dégâts de lance-grenade. Des grenades profilées vous immunisent aux dégâts de vos propres grenades. Ça, c'est cool, par contre. Ah, c'est intéressant, ça. Le lance-grenade. Ah oh ouais, sans hésiter le lance-grenade parce que à chaque fois je m'éclate la gueule avec et ça sera énorme. Ouais, ça sera énorme contre les protecteurs, les Big Daddy. C'est cool et ensuite je pense prendre des trucs pour la mitrailleuse parce que c'est vraiment une arme stylée, t'as beaucoup de munitions. Et puis voilà. Ok. Je sais, je vais faire mon mode fiote. Voilà, mode fiote activé, mode peureux activé. Et on va pirater ce truc. Piratons, piratons. Oh putain, ouais, effectivement. Vite. Ah putain. Voilà, ça c'est bon. Vite par contre. Putain, qu'est-ce qu'il me faut en fait? Bon, pas grave. Je fais comme ça. Ensuite, il me faut un truc qui part sur la gauche. Là, ça. Là, ensuite ça comme ça. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Bon, bah, mode fiote activé, mais en même temps, j'ai pas échoué donc. Hein? Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était où qu'il fallait aller? Eh B, c'était pas là, mais...
Attends, moi je m'en fous, je recommence. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était pas là où il faut aller? Attends, je reverrai ça au montage parce que j'ai rien compris. Hop. Vite. Ensuite, ça. Eh bien, c'est pas là qu'il faut aller. Ils viennent pas me dire que cette fois-ci, c'est court-circuit, là. C'est une blague. Voilà. Attends, pourquoi je me suis planté? Les chevrotines. Ok. Ah, dès qu'on s'en va, d'accord. Ça prend pas tout le contenu du coffre, c'est bon à savoir. Bon, bah c'est parti pour la suite. Même si la suite, je pense que je vais l'interrompre. Je fais quelques pas et puis j'interromps parce qu'après, ça sera pour le prochain épisode. Hop. Hop. Et puis, hop, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Ça me fait ma petite piqûre. Est-ce qu'on peut péter les... comme dans Half-Life? Non. Non, mais c'est pas bien grave. Rien d'intéressant. Le poisson qui, lui, on peut le taper, c'est énorme. Bon. Ça m'intrigue par contre. Il doit y avoir un cadavre ou un truc comme ça dedans, non? Non, rien du tout. Bon, j'ai fait le ménage. Voilà, là c'est parfait. On s'arrête ici pour cet épisode et on se retrouve pour la prochaine. Sur ce, portez-vous bien et bye bye tout le monde. Ciao.